On entre maintenant dans la zone interdite. On va dans la ville de Futaba, qui est presque au centre de cette zone interdite. C'est à Futaba que se trouvent les réacteurs 5 et 6 de la centrale de Fukushima Daiichi. Voilà le poste de contrôle. Préparez vos papiers. En 2011, dans l'urgence de l'accident, les autorités japonaises ont tracé un périmètre d'évacuation obligatoire de 20 km autour de la centrale. Aujourd'hui, en fonction de la réalité de la pollution radioactive, la région est divisée en 3 zones. La zone rouge, où la dose annuelle de radiation dépasse 50 millisieverts, est strictement interdite. Une zone orange, la dose de radiation peut y dépasser les 20 millisieverts par an. On peut y venir la journée, mais il est interdit d'y passer la nuit. Une zone verte, qui devrait descendre en dessous du seuil de 20 millisieverts, le retour des habitants est envisagé. En dehors de ces 3 zones administratives, le gouvernement considère que la présence de radioactivité est acceptable et sans danger. À Futaba, dans la zone interdite, l'accès est réservé aux scientifiques. On ne peut rester que 4 heures. Ici, par endroit, les taux de radioactivité sont définitivement hors normes. Entre 17 et 18. 92,5. Entre 100 et 115. Pour le citoyen, la norme, elle peut avoir un effet rassurant, c'est-à-dire que c'est une valeur de référence. Donc c'est toujours important et pratique d'avoir des références. Ce qui a été très compliqué avec ces références à l'après-accident de Fukushima, c'est que les normes internationales, qui étaient censées être garantes justement d'une certaine uniformité et consensus autour de la radioactivité, elles ont complètement volé en éclats. C'est-à-dire que le seuil de 1 millisievert, qui est le seuil limite qui est acceptable en temps normal, a été passé à 20, qui est une valeur, on va dire, faible en cas d'urgence nucléaire, mais ce 20 a été maintenu en fait sur le long terme, c'est toujours la valeur qui est en vigueur. Et surtout, ce qui a beaucoup choqué les populations sur place, c'est que ce 20 millisievert s'est appliqué de façon indifférenciée aux enfants comme aux adultes. Et la valeur de 20 millisieverts est, en temps normal, la valeur seuil pour les travailleurs du nucléaire. C'est 20 millisieverts par an, maximum. C'est la valeur des travailleurs pour les travailleurs du nucléaire, c'est-à-dire qu'on a considéré que tous les habitants vivaient comme, en quelque sorte, 24 heures sur 24 dans une centrale. On nous a donné un potiron, on l'a fait mesurer. Celui à 8 becquerels ? Oui, celui-là. On nous a dit qu'on pouvait le manger, mais grand-père n'a pas voulu. C'est nous qui l'avions mesuré. Il faut nous faire confiance. Il n'y avait pas de problème. Et les champignons maïtake ? Ah, les maïtake, ceux-là, non. Il y avait 700 becquerels. Vous les avez mangés ? Oui, on les a mangés ce midi. On va être contaminés. Bah, oui, vous allez être contaminés. Vous les aviez ramassés vous-même ? Oui, ce sont les champignons qui poussaient sous les pins. Ah, fallait pas les manger. Je pense que la science et la réglementation sont deux choses totalement différentes. L'administration se doit de tracer une ligne pour réglementer, mais lorsqu'on me demande si au-dessous de cette limite on est en sécurité, je réponds que je n'en suis pas certain.
Si l'on vous dit qu'il n'y a aucun problème pour 100 becquerels par kilo, mais que l'on vous propose de manger quelque chose qui a été mesuré à 90 becquerels par kilo, est-ce que vous en voudrez ?